be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Allô, Maudit? Ça va? Tranquille? Ouais, comment ça, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah, non, quoi? Non, t'es sérieux? Non. Qui? Mais non, non, arrête, arrête, c'est une blague. Non. Mais non, c'est une blague, arrête. T'es sérieux là? Putain, je vais faire comment moi? Moi je crois que c'est bon, moi je vais arrêter YouTube, hein, c'est bon. Je vais arrêter tous mes sites, c'est bon. Puis même le travail, ça va pas, là, je suis déprimé, là. C'est bon, je vais tout couper là. Aujourd'hui là, je coupe tout, ma chaîne, tout. C'est bon. Là. En plus, je me suis fait insulter l'autre fois. Non, là, je déprime complètement. Là. Le travail, là, ils m'ont fait. En fait, ils m'ont fait un truc là. Du coup, peut-être je vais peut-être perdre mon travail et tout là. Je perds tout là. Putain, c'est la poisse en ce moment. Ouais, putain. Bon, ça va. Je te rappelle alors, ça va. Mais non, putain. Et moi, je fais une vidéo, n'importe quoi, je fais une vidéo. C'est bon, je vais arrêter YouTube, c'est bon, non. Non, il est sérieux, là. Et non, mais non, 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 il y a un malentendu, là. Non, et non, et non, c'est pas ça, et non. Et non, mais il est sérieux, là. C'est pas possible, non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Bah, non, puis... Allez, ah mince, en plus ça fume. Je suis désolé, les amis, je crois que je vais arrêter YouTube, c'est bon, je vais arrêter là. Là, je vais devoir tout couper. Je voulais faire une vidéo, mais là, je suis vraiment déprimé. Mais là, je crois que vous avez plus vu de vidéo, vous en verrez plus. Je crois que je vais arrêter complètement YouTube, là, c'est sûr et certain, je suis vraiment désolé. J'ai fait cette vidéo, en plus c'était même pas prévu que je fasse cette vidéo, mais là je suis vraiment déprimé, excusez-moi. Je crois que je vais devoir couper la vidéo. Je suis vraiment désolé. Je suis là, mais là je suis choqué là. Putain, je suis choqué là. Mais non, putain. Non, putain, et moi je filme moi. Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I be like, there she go. Ah, non, c'était une blague, non. Déjà, je veux pas que vous sortez de là, déjà. Déjà, un, je veux pas que vous sortez de là. Ceux qui like, continuez à liker, j'en veux 15 likes. Continuez, insistez pas. Je suis même perturbé, là, je sais même pas ce que je dis. Franchement, likez cette vidéo. Et puis aujourd'hui, nous allons parler, en fait, voilà, aujourd'hui, c'était un jour comme tous les autres. Bon, en fait, je devais faire une vidéo, mais du coup, avec le travail, j'étais fatigué, j'ai pas dû faire de vidéo, excusez-moi. Aujourd'hui, on va parler de la Ligue des Champions. Voilà, c'est reparti, l'Ajax, ils sont là, tout le monde est là. Comme vous avez vu, hein, contre les Lillois, l'Ajax, c'est parti, la Ligue des Champions est repartie. Une nouvelle saison, et on va parler un peu de tout vite fait. Bon, après, je vais vous laisser regarder. Bon, on va, parce qu'avec YouTube, on sait jamais, je vais vous laisser voir juste les buts du côté lyonnais. Bon, l'Ajax, j'ai pas les images de l'Ajax. Je les ai pas encore, les images de l'Ajax. J'ai pris juste les images de Lyon. De Lyon et on va dire Paris. Si YouTube me bloque pas ma chaîne, parce que j'ai mis ces buts-là. S'il me bloque pas. Hein. Et parce que s'il m'arrache la vidéo, tant pis. Je serais vraiment désolé. Et puis, je ne sors pas d'YouTube, je suis là. Franchement, YouTube, c'est vraiment... C'est une passion, c'est devenu... Franchement, c'est devenu une drogue, en fait. Là, je suis en train de vous parler... je suis en train de vous parler, en fait, parce que je voulais aussi vous dire un truc, en fait. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des moments, en fait. Je parle avec mon meilleur pote, Maudit, que vous avez vu au téléphone.
Et on se dit tous les vidéos que chacun doit faire et tout. Moi, j'ai des vidéos que j'ai déjà faites, que je ne les ai pas encore publiées. Des fois, ça m'arrive comme ça, en fait. J'attends que j'ai au moins plus de pouces, en fait. Mais c'est sûr que s'il y a 18 pouces, la vidéo, elle sort... Moi, 18 likes, eh ben, la vidéo, elle sort dans les temps qui vient. Tant qu'on dépasse les 18 likes et 15 likes, tu dépasses déjà les 15 likes, c'est sûr qu'il y a une vidéo qui va sortir. Puis du coup, ben là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'étais à ce que je voulais vous dire. Je sais même plus ce que je voulais dire, en fait. Je mélange tout, excusez-moi. Je suis un peu dans l'émotionnel, là. Je mélange tout. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais, en fait, dans un centre commercial, en train de faire deux petites courses. Et pour rigoler, pour vous dire, bon, enfin, bref. Ça n'a pas le sujet, ça n'a pas le rapport de la vidéo. Mais en fait, je parlais de ce que je vais faire comme vidéo. Parce que cette vidéo, en fait, je devais la faire depuis début de semaine, depuis mardi, puis mercredi et tout ça. Là, on est en fin de semaine, comme vous avez vu. On est à jeudi, bon, on va être vendredi, là. Et du coup, je voulais faire cette vidéo par rapport à parler de Paris, le PSG, et parler aussi de Lyon. Puisque l'Ajax, je ne veux pas parler de l'Ajax, parce que pour le moment, c'est que le début du championnat. Donc, ils ont gagné contre Lille. Ça, c'est un match. Je ne peux même pas vous raconter. Ça, c'est un match. C'est, pour moi, dans sûr et certain, pour moi, l'Ajax va terminer premier ou peut-être deuxième. Je ne les vois pas terminer quatrième, ne pas sortir des poules. Donc, je ne pense pas trop. Je ne me vante pas. Hein. Ce n'est pas que je me vante, mais l'Ajax, je pense que ça ne va pas être trop difficile. Donc, je ne veux pas trop parler de l'Ajax, ce sera que quand ils vont sortir des poules que je veux commencer. Là, c'est que le début de la saison, donc voilà. Je vais parler juste de Lyon un peu et de Paris. En fait, Lyon, en fait, ils sont dans une phase là où ils sont en train de construire. Maintenant, il n'y a plus Nabil Fekir. Comme vous avez vu, il est allé se perdre dans une équipe, espagnole, un peu faire le roi là-bas et tout ça. Ouais. Il a un côté de sa part, je dis, il a raison, mais après, il peut aller à... Autre part que ce club, il peut aller à Tottenham, je sais pas, je dis un nom comme ça, mais mieux que ça quand même, Nabil quand même. Et puis je l'ai rencontré, je lui ai parlé à Nabil Fekir, je lui ai parlé vite fait et tout, bah, on a causé, en fait c'est bizarre parce que je lui ai parlé comme si c'était mon pote en fait. Et j'ai même pas pu faire la photo pour vous dire, là je vous dis, mais j'ai même pas pu faire la photo. Je parlais avec lui comme si, je le voyais, il me regardait comme si on se connaissait en fait. Le gars, on se connaissait, comme si on était tout le temps ensemble, on se voyait tout le temps. Et je l'ai parlé normal, comme ça. Je lui ai dit, ah, ça va, je me rappelle, c'était à l'époque qu'il était à Lyon. Et je lui avais dit, bon, t'as marqué un but, je parlais du but qui est... Je sais pas si vous vous rappelez, le but qu'il avait tiré de loin, je sais plus c'était contre qui. Et il avait mis un méchant but, c'était un lob, il avait lobé le gardien de loin, on va dire du milieu de terrain. Et j'ai parlé avec lui, tranquille et tout, puis ça s'était bien passé. J'ai dit, ah, tout ça, comme c'était mon pote, tout ça. Je dis, ah, j'ai aimé ton but et tout, continue comme ça, machin. Tu parlais, t'es trop fort et tout. Et après, j'ai fait une photo et la poisse, je l'ai perdue. Franchement, vous n'allez pas me croire. Parce que j'ai pas la photo. C'est normal, vous n'allez pas me croire. Après, je vous comprends. Mais je suis dégoûté d'avoir perdu cette photo. Pour tout vous dire, j'ai une amie qui a eu sa photo. Et j'ai des amis, ils ont eu leur photo. Moi, j'ai pas eu ma photo, j'étais dégoûté. Du coup, bon, voilà, ça m'a un peu dégoûté. Mais bon, c'est dommage qu'il s'est perdu là-bas. Nabil Fekir, il s'est perdu là-bas. Et d'aller dans un club... ce club-là, je ne le connais même pas, hein, franchement, je ne le connais même pas. Il ne m'intéresse pas, ce club. Je regarde parce qu'il y a Nabil, mais c'est pas... Moi, j'aurais aimé qu'il va, je sais pas, à Valence, peut-être. Je sais pas, peut-être qu'à Valence, il aurait eu sa place. Après, je sais pas, mais j'aurais aimé qu'il va à Valence, un truc comme ça. Mais un bon club, tu vois. Ça, c'est un club qui va pas finir là où il est. Il va pas finir premier ou deuxième, je pense pas. Ça, c'est qu'un miracle, avec le Real, Barcelone... il y a trop d'équipes. En Espagne, c'est trop dur. Mais bon, c'est Nabil. Bon, Lyon, ils ont commencé la Ligue des Champions timidement avec un match nul. Pourri. Moi, je pense que Lyon, honnêtement, devrait finir 3e de sa poule cette année et aller directement en UEFA, c'est mieux. C'est le raccourci le plus mieux, en fait. C'est d'aller à l'UEFA pour un peu s'amuser en Coupe de l'UEFA parce que la Coupe de l'UEFA, c'est un peu, en fait, une coupe. Là où on joue, mais voilà, c'est plus pour moi, hein. c'est mon avis que je vous donne. Pour moi, franchement, c'est mieux, parce que les Lyonnais vont mieux s'amuser et tout ça.
Et il y a plus, c'est mieux. Je sais pas comment dire, mais c'est mieux. Parce que là, la Ligue des Champions, qui va finir deuxième ou premier, ça sert à rien. Ils vont se faire sauter par Barcelone ou bien c'est les Real. Là, ils n'ont pas l'équipe. Hein. C'est pas pour dire, mais Lyon, il n'a pas l'équipe pour aller très très loin en Ligue des Champions. Peut-être en Coupe de l'UEFA. Et encore, je pense qu'ils vont sortir tout ça. Ils vont faire comme l'année dernière. Ils vont peut-être même rien gagner. Peut-être la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue qui est maintenant. Et il paraît-il que la Coupe de la Ligue serait la dernière Coupe de la Ligue. Qu'après l'année prochaine, il n'y a plus de Coupe de la Ligue. Je ne sais pas, j'ai entendu parler. Ceux qui savent, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. Moi, je ne sais pas, mais la Coupe de la Ligue apparemment ne sera plus. Ils veulent enlever la Coupe de la Ligue. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ça fait trop d'argent. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Alors, en fait, voilà ce que je voulais dire. Ce que Lyon, en fait, l'Olympique Lyonnais, la Ligue des Champions, moi, je dis c'est mort. Et Paris. J'ai dit, c'est comme tous les années, le Paris, ils ont beau à dire Paris, on a beau à dire Paris, Paris. Et je ne les vois pas en finale avec cette équipe, avec l'histoire qu'ils ont de Neymar, encore loin en quart et tout. Mais après, je parle, mais peut-être qu'ils vont aller très loin. Mais Paris, je ne les sens pas cette année. Avec cette histoire de Neymar qui voulait partir et qui n'a pas pu partir. Et du coup, maintenant, il est là et il est en train de négocier sa sortie, etc. Même toute sa famille veut partir. Le gars, il est venu, ils ont fait tous les trucs à Paris, ils ont mis la tour Eiffel comme si c'était le plus grand président et tout ça, ils ont fait tout un truc. C'est comme une émission spéciale Neymar, c'est un roi. Et voilà, regarde, comme ils se foutent de la gueule des Parisiens, des Français, ils crachent à la gueule et après, il veut partir, il insulte. C'est malheureux, franchement, pour les Parisiens, moi je dis c'est malheureux parce que, voilà, il aurait pu faire au moins deux... 2, 3, 4 années même 5, même 4 années, c'est déjà bien 4 années, 3 ou 4 années. Et puis il part en beauté. Après, s'il n'a pas réussi à gagner la Ligue des Champions, après, c'est pas de sa faute, c'est l'équipe qui doit gagner la Ligue des Champions, c'est pas que Neymar. Mais franchement, ce cas, moi, je veux pas trop parler, parce qu'il y en a, ils vont me dire, ah, tu connais rien au Neymar, je les vois venir, tu connais rien à l'histoire, tout, machin, tout ça. Ok, je cherche même pas à trop parler, parce qu'après, c'est comme ça, on va dire. Tout ce que je sais, c'est que Neymar, il joue. Il est là, il joue. Mais il joue parce qu'il faut jouer au foot. C'est comme quelqu'un qui aime travailler. Il travaille parce qu'il faut travailler. Il veut gagner son argent, etc. Et tout. Ben, là, c'est la même chose. Lui, il joue au foot parce qu'il se fait plaisir, il joue au foot. Mais après, c'est vrai que son cœur, il est à Barcelone. Hein. Lui, c'est Barcelone. Il s'envoie des textos avec... Messi, etc. Et tout. Mais le problème, ce qu'il y a, moi, ce qui m'embête sur cette histoire, c'est qu'il y a. Et en fait, il y a mon joueur Griezmann, que si. Il est menacé, en fait. Il est menacé. Ce qui se passe, c'est que, comme il est menacé, si Neymar arrive à sortir de Paris et se retrouve à Barcelone, s'il arrive rapidement, par exemple, en janvier à Barcelone, et ben ça menace un peu beaucoup franchement ça menace Griezmann beaucoup parce que Griezmann il va sauter parce qu'ils peuvent pas jouer tous ensemble. Il y a Griezmann, il y a Suarez, j'arrive même pas à le dire, Suarez voilà. Et non, il y a trop de gros joueurs. Griezmann, je crois que ça va être chaud pour lui. Alors qu'il profite bien parce que quand Neymar va venir, ça va être le roi. Neymar, il va arriver, ça va être le roi avec Messi. Là, c'est les places vont être chères. Déjà, Samuel Umtiti, lui, sa place déjà, il lutte pour garder sa place derrière, mais c'est difficile en fait. Hein, à Barcelone, c'est très 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 difficile. Neymar, si bien lui, ce ne sera pas difficile. Lui, c'est sa place directe. Mais bon, après Griezmann, moi je m'inquiète beaucoup pour son cas, parce que ben, Griezmann, si Neymar rapidement vient, ça va être très difficile. Mais bon, là, les négociations. Attends, j'arrive même plus à parler, Thomas, je suis excité. Les négociations sont très difficiles, mais tout ce que je sais, c'est que la famille Neymar, ils ont fait une offensive, comme Neymar a fait son offensive, il a fait tout ce qu'il peut faire pour aller au Barcelone. Il a même sorti l'argent de ses poches, il a tout fait. Il a vraiment tout fait. Mais franchement, pour moi, c'est un truc de fou, parce que le gars, il veut partir, il sort l'argent pour essayer de donner un maximum d'argent pour sortir de Paris. Il fait des trucs de ouf, même sa famille, son père et tout, c'est une affaire diplomatique. Là, c'est une affaire d'État, le Neymar. Franchement, moi, ça m'a dépassé, cette histoire entre même le Real. On est allé même demander... Oh, non, c'est trop.
Même limite, on voulait que le Real prend Bale pour aller. Tout ça. Il y avait trop de combines en fait. Ce qui s'est passé, même Dembélé, on lui a dit tu veux partir. On lui a dit n'aime pas. C'est comme le gars, il est tranquille, il est en train de manger, on vient, on lui dit tu veux aller dans ce club? Non non, tu y vas. Et on le force. Dembélé, on lui a dit tu y vas. Tu y vas à Paris. Et le gars il dit mais comment ça, moi j'ai rien fait, j'ai rien dans l'histoire. Comment vous voulez me mettre Non mais cette histoire, moi-même ça me dépasse. Je préfère laisse tomber. Je parle même plus parce que on va me dire ah, il dit n'importe quoi et tout. Mais franchement moi tout ce que je sais c'est que cette affaire elle est lourde. Neymar va partir, ça c'est sûr. Là c'est peut-être même sûr que c'est sa dernière saison. Après voilà le joueur il fait, mais c'est pas un joueur qui fait l'équipe de toute façon. Vous avez bien vu, Paris, ils ont réussi à gagner face au Real Madrid. Mais bon, ça, vous allez me dire, les Real Madrid, en ce moment, ça va pas très bien. Ils sont en train de reconstruire l'équipe, tout. C'est un peu, cherche les joueurs, etc. Tout, c'est pas trop le top. Alors, c'est vrai, mais bon, ils ont quand même battu le Real, hein, sans Neymar, hein, quand même. Donc, comme il faut dire, quand même, Neymar n'est pas là, même Mbappé, il n'est pas là. C'est vraiment... Mais bon, je vous laisse regarder quand même les buts de Lyon et... Lyon et Paris, ouais. C'est les buts de Di Maria. Di Maria qui a fait sa tournée, hein. Il a fait son match. Lui, il est toujours au taquet. Lui, il n'y a rien à dire. Nickel. Il est toujours au taquet, ce joueur. Lui, il est bien. Franchement, Paris peut le garder. Je pense que lui, il n'a pas de souci à partir. Lui, il est bien, Paris, je pense. Hein. Bon, il partira quand il partira. Mais là, pour le moment, c'est un Argentin qui il est parfait. Mais ce que j'ai compris, c'est que, comme j'ai regardé, parce que moi, j'aime bien regarder téléfoot. Comme j'ai vu quand même qu'à Paris, c'est une saison, là où vous les voyez, ils jouent, ils gagnent, ou qu'ils perdent, ou qu'ils font match nul, mais c'est une saison, on va dire, normalement, qui devrait être zéro, qui ne devrait pas être meilleure que l'année dernière. Mais peut-être que si, avec la Ligue des Champions, ils arrivent à gratter et tomber contre des clubs qu'ils arrivent à passer, ça peut aller bien. Mais je pense plutôt que c'est le championnat de France qui serait mieux pour eux. À gagner la Coupe de France, etc. Parce que là, ça va être chaud. La saison, elle est chaude pour Paris. Entre Neymar, et après, je ne vous ai pas dit, bon, parce que je ne vous dis pas tout, mais il y a Neymar quand même qui a des soucis, parce que lui, il veut partir. Bon, il joue, bon, il va jouer, il va faire sa saison. Peut-être même en janvier, il va faire encore une offensive pour partir. Faire avec toute la famille, une grosse offensive pour mettre tout pour essayer de partir de Paris. C'est comme s'il était en prison, le gars. Il est là, il est en otage, en fait. Les Parisiens, ils ont raison. On se fout pas de leur gueule comme ça. Ils ont mis la Tour Eiffel, ils ont mis son nom, ils ont fait plein de trucs, ils ont mis plein de banderoles et tout. Neymar, et tout ça. Un tapis rouge et tout. On te met dans... C'est comme t'es un président. On te met dans la chaise du roi et tout. On te met bien, quoi. Et le gars, il crache à la gueule des Parisiens comme ça. Et en plus, il les insulte même. Il dit... Non. Moi, ça me dépasse. Il les insulte. Alors, quand il va partir, les Parisiens, il va bien les insulter. Hein. Si, même si les Parisiens, ils ont des armes, des fusées, ils vont bombarder jusqu'à Barcelone, là-bas, ça va faire une guerre. Puisque là, il va les cracher à la figure dès qu'il va partir. Il va bien les insulter. Là, il se retient à les insulter. Il dit, ah, vous m'avez pas laissé partir, nanana. Il fait comprendre que, bon, je vais jouer. Les supporters, vous m'avez insulté, vous m'avez sifflé, etc. Oui, mais j'ai joué, je vais jouer, parce que j'aime bien jouer au foot, etc. C'est ce qu'il a expliqué. Mais voilà ce qui va se passer, que quand il va partir, attendez-vous qu'il va bien insulter les Parisiens, bien correctement. Si, même si, bon, s'il le fait pas, il va le penser sur lui-même, il le dira en cachette, mais c'est sûr qu'il va insulter bien les Parisiens, et il va partir tranquillement. Parce que là, il joue, il est obligé de se faire... comme ça, souriant, tu vois, et faire le petit focus, quoi. Faire le gars qui va jouer. Oui, j'aime bien jouer au foot et tout. Mais dans son cœur, là. Paris, c'est rien, là. C'est rien. Lui, il veut partir. Il est déjà parti. Hein. Même sa famille dit, t'inquiète, on va partir. On va tout faire. On va tout faire pour partir. Là, il lutte avec Paris pour partir. Mais c'est bien, les Parisiens. Moi, j'aime bien ce qu'ils ont. On s'est pas foutu leur gueule. Puisque on se fout pas de leur gueule des Parisiens comme ça. Les Qatariens, tout ça, là, ils... Franchement, moi, j'apprécie leur travail, parce qu'il n'a pas réussi à partir, ils l'ont bien tenu, et ça, c'est nickel. Ça, c'est bien, on ne se fout pas de leur gueule. Paris, ils ont mis tout, la Tour Eiffel, ils ont fait plein de trucs, c'est pourquoi? C'est pour rien, ça? Non. Moi, je suis d'accord avec tous les Parisiens. Après, dès qu'il part, il part, c'est tout. Mais de toute façon, moi, ce que je veux,
quand même, pour le respect des Parisiens, c'est que quand même Neymar, il soit pas ballon d'or. S'il est ballon d'or, les Parisiens voient ça, ça leur faire mal, puisque qu'il soit ballon d'or dans la foulée, là, c'est. Mais je pense que c'est impossible. Moi, je dis ça, hein, mais c'est impossible. Je sais très bien, le gars avec le Brésil, là, il a pas encore gagné une Coupe du Monde. Et il a pas encore gagné. Bon, il a, vous allez me dire, il a gagné la Ligue des Champions, mais c'était pas, c'était avec oui, le Barcelone, oui, qu'il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné la Ligue des Champions, oui, oui. Mais même s'il a une Ligue des Champions, il a pas gagné avec Paris. Et puis voilà, ça, son pays, il a pas fait. Puis voilà, moi, je voulais juste vous parler de cette histoire. Moi, je voulais juste vous montrer quelques petits matchs, hein, le match de Lyon, et puis voilà, c'est tout simplement. Et le match de du Real et les buts de Di Maria. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas sur commentaire à me dire qu'est-ce que vous voulez comme vidéo. Parce que là, je vais sortir une nouvelle vidéo. Il y aura une vidéo qui va sortir. Parce que sûrement, j'avais prévu que j'allais sortir une vidéo basket qui va sortir très bientôt. Et puis voilà, là, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. Prenez bien soin de vous. Et comme je l'ai dit, finalement, c'était un fake. Je ne veux pas arrêter ma chaîne YouTube. Je veux garder. J'aime trop YouTube. Maintenant, en fait, je m'amuse. C'est juste que le travail, des fois, j'ai des idées. Je suis fatigué et tout. Et du coup, je suis un peu en retard de vidéos. Mais bon, je suis toujours là et tout se passe bien. Et je continue à vous bombarder. N'hésitez pas à aller sur mon Snapchat si vous voulez parler avec moi. Ou bien essayer de faire une vidéo. Parce que je cherche du monde, au moins 5 personnes pour faire... Une vidéo très spéciale le jour que j'aurai, parce que là j'ai peut-être 2 personnes que je peux avoir, mais je voudrais quand même 5 personnes pour faire cette vidéo surprise que je vous avais déjà parlé. Cette vidéo, c'est la vidéo des 500 abonnés que j'ai toujours pas fait, mais elle va sortir un jour, vous inquiétez pas. Salut, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut. Audrey aussi pour lui prendre le ballon. Regardez encore là, Azmoun, attention avec Djouba. Azmoun, mais ouais, mais c'est pas normal. Le Messi iranien, comme on le surnomme. Les deux choses là, les Lyonnais, soit... Ouais, c'est pareil, penalty, penalty concédé par le Zénith Saint-Pétersbourg. Memphis Depay, l'international néerlandais face à l'UNEP. Et ouais. Memphis Depay qui permet à Lyon de revenir dans le match sur penalty. Il faut la donner dans l'axe. Allez, Maria, prendre sa chance.